Salut à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire l'unboxing d'un colis provenant de chez Outpost. Alors pour commencer, qu'est-ce que le site Outpost? Donc le site Outpost c'est un shop sur lequel on pourra retrouver donc du matériel aussi bien outdoor, donc pour tout ce qui est camping, randonnée ou autre, mais également donc du matériel tactique, donc que ça soit dans le vestimentaire, en bagagerie, mais également donc dans tout ce qui est par exemple les lampes. On retrouvera dessus donc plusieurs marques donc qui sont quand même assez réputées, donc comme 5-11, Hydrapac, Ailey Stratégique, Nightcore, Nighties, High People Gear, Arteris, pour ne citer que. Donc voilà, donc on va procéder maintenant donc au déballage. On retrouvera donc une coupe donc Sea to Summit. Donc en fait c'est un petit gobelet en fait tout simplement donc que j'ai commandé donc notamment par exemple quand je suis au travail, car donc ça va m'être assez pratique du fait que ça se plie. Donc, hop, on va la mettre de côté. On va retrouver, ah, petit cadeau donc de chez Outpost. J'avais pas du tout commandé ça. Donc du beef jerky, donc de la marque Jakelings. Donc c'est tout simplement, on va dire, de la viande séchée. Donc vous pouvez prendre donc par exemple pour tout ce qui est randonnée ou alors vos treks, pour vous donner donc un petit coup de boost lors de celle-ci. Là on y retrouvera donc deux produits. Donc un AQ donc 18650. Que j'avais commandé donc pour ma lampe de travail, donc 2600 mAh, donc c'est une batterie au lion. J'ai pris celle-ci donc pour une simple raison, c'est que je peux la brancher donc directement par micro USB donc sur un chargeur secteur quoi. Je vais la redéballer après donc pour bien vous montrer en fait donc où se fait la charge. J'ai commandé donc également chez eux donc une pochette donc elle est stratégique. Donc qui est une marque américaine. Donc celle-ci est hook and loop, donc ça veut dire donc qu'elle s'attache par système de velcro à l'intérieur de votre sac. Donc c'est pour dans mon sac Tasmanian Tiger donc le modular pack. Donc le velcro qui est derrière, le petit logo de la marque, et là on peut voir également donc qu'il y a un revêtement, alors ça doit être du velcro également, mais ce qui m'intéressait également donc sur cette pochette, c'est le fait donc que l'on puisse voir à travers sur vraiment toute la largeur de celle-ci. Désolé, c'est l'allumage automatique. Donc ces mesures, on va être donc sur 22 cm. Donc pour 12 cm et on va être donc sur une épaisseur donc de 5 cm. Une petite carte donc Outpost donc qui est assez sympa. Donc à envoyer à vos amis ou autres, hein, par exemple. Puis voilà. Alors concernant l'AQ, donc on est sur un AQ donc de la marque Nightcore. Donc Nightcore, c'est une marque donc qui est spécialisée donc tout ce qui est lampe, accumulateur, mais également donc il commence à se diversifier et à faire également donc des pochettes et des sacs. Donc ici elle est en 2600 mAh. Donc c'est un AQ donc 18650, soit l'équivalent donc de 2CR123 ou 2CR123 rechargeable. On retrouve ici donc la référence
Après, ce qui est vraiment particulier donc avec cet accumulateur, c'est qu'on peut la recharger grâce au port micro USB donc qui est ici. Donc pas besoin de chargeur externe, on peut la recharger directement sur le secteur ou alors grâce à une power bank directement grâce à la fiche micro USB qui est là. Donc petite démo en direct. Voilà. Donc on a là une LED rouge qui indique que l'AQ est en charge et n'est pas totalement chargé. On aura également après une LED verte qui s'allumera ici pour dire que la charge est complète. J'ai pris moi cet AQ pour la mettre tout simplement dans ma lampe Woodtac. A1S, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de Jérôme The French, concernant cette lampe, je la mettrai dans la barre de description. Car celle-ci, utilise déjà des AQ, exactement le même type, pareil, avec le port micro USB, mais dans leur marque. Quand j'ai vu ce type d'AQ, j'ai vraiment trouvé ça pratique. Ça évite de transporter avec soi un chargeur supplémentaire. Ça fait un gain de place. Voilà. Concernant le shop, c'est un shop sur lequel j'ai déjà commandé à multiples reprises et j'en suis vraiment satisfait. Vous trouverez dessus une large gamme, aussi bien de marques que de produits. Les frais de port sur celui-ci sont vraiment adaptés à ce que vous avez dans votre commande. Ce n'est pas des frais de port fixes comme on peut voir sur certains sites. Où par exemple on va retrouver des frais de port fixes à 7 euros ou des frais de port fixes minimum de 9 euros. Là c'est vraiment en fonction des produits qu'il y a dedans. Le frais de port est adapté vraiment en fonction de votre commande. Le service client est vraiment très bien. Par exemple j'ai eu ils avaient une rupture de stock de coloris sur cette tasse. On m'a contacté par MP, on m'a demandé si ça gênait pas si on changeait le coloris. Personnellement, c'est pour boire dedans, c'est pas pour faire autre chose, ça m'a pas du tout gêné. Donc on m'a changé le coloris et on m'a expédié le colis directement dans la foulée. On retrouvera dessus différentes méthodes également pour l'envoi. Donc si je dis pas de bêtises, il y en a deux qui sont la poste en Colissimo et Mondial Relais. Personnellement, pour cette commande, c'était chez Mondial Relais. Il y a eu des soucis par rapport à la livraison où il y a eu un retard de livraison. Je n'utiliserai plus ce service. Mondial Relais, pour moi, c'est fini. Je n'utiliserai vraiment que le service Colissimo qui est proposé chez eux et qui n'est pas beaucoup plus cher que Mondial Relais. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller voir sur leur site. Vous retrouverez vraiment pas mal de produits, pas mal de marques. Je vais vous mettre les liens que ça soit aussi bien de la pochette, de la coupe ou alors du petit AQ 18650 ou alors même de Beef Jerky. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller chez eux. C'est vraiment un très bon shop qui mérite vraiment être connu. Il y a des shops qui sont déjà connus, reconnus, dont on entend parler assez régulièrement. Celui-ci est pas beaucoup connu, on en entend peu parler, mais c'est vraiment un site de qualité et des personnes humaines qui sont vraiment à l'écoute du client et qui répondent vraiment à toutes les attentes du client. Je vous dis au revoir et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!